أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم إن شاء الله تعالى مفرير وشدون سمانترين ديكوتي لفيست الإمام الحسين عليه السلام l'imam Ali Zain al-Abidine, qui, après que son père soit tué en Irak et qu'il fut transporté en esclave à Koufa et puis à Damas chez le calife, retourna en fin de compte à Médine avec sa famille et sa tante Sayyida Zainab alayhi salam. Et là, devant une foule qui était rassemblée, il était en train de pleurer son père et il dit ceci. Ba'da waqiyati Karbala, كان علي بن الحسين عليه السلام داخلا ومعه خرقة يمسح بها دموعه. Après les événements de Karbala, l'imam Ali Zain al-Abidin était à Médine et il avait un mouchoir avec lequel il essuyait les larmes qui coulaient à flots sur son visage. فقال عليه السلام أيها الناس, ô vous les hommes, Inna Allah, sachez que Dieu, wa lahu alhamd, et c'est à lui la louange, ibtalana bimasa'ib jalila, Dieu nous a éprouvés avec des épreuves très gigantesques. Qutila Abu Abdillah wa itratuhu, il dit mon père Abu Abdillah a été tué avec toute sa famille. Wa subiya nisa'uhu wa subiyanuhu, ils ne sont pas contentés de tuer mon père Al-Hussein. Ils ont réduit à l'esclavage toutes les femmes et toutes les filles qui étaient avec lui, ainsi que tous les enfants, dont certains n'avaient même pas 2 ans ou 3 ans. Wadaru bira'sihi fil buddani min fawqi amil sinan. Après avoir tué l'imam Al-Hussein et après avoir réduit toute sa famille à l'esclavage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la tête de l'imam Al-Hussein, mon père, ils l'ont mis sur des lances et ils ont fait promener cette tête de ville en ville. وَدَارُوا بِرَأْسِهِ فِي الْبُلْدَانِ مِنْ فَوْقِ عَامِ لِسِّنَانِ. Il dit, ils ne se sont pas contentés de tuer mon père et de réduire sa famille à l'esclavage. Ils ont tranché sa tête. Ils ont pris cette tête de mon père Al-Hussein, le fils du prophète, ils l'ont posée sur des lances et ils se sont promenés de ville en ville pour exposer cette tête comme un trophée de guerre. Cette épreuve, cette souffrance, il n'y a pas une épreuve qui puisse l'égaler. Ayyuhannas, أصبحنا مطرودين مشردين مضودين شاسعين عن الأمصار. Oh vous les hommes, sachez que nous, la famille du prophète, nous les seuls fils que le prophète a sur cette terre, nous sommes devenus des hommes qui sont chassés des villes. Nous sommes exilés, chassés et pourchassés, assassinés et torturés. من غير جرم اجترمنا. Tout ceci sans aucune faute, sans aucune injustice qu'on ait commise. Nous n'avons commis aucune faute pour mériter ceci. Voilà makruhin irtakabnahu. Nous n'avons fait aucune action blâmable. Il dit, Wallahi law anna an-nabiyya taqaddama ilayhim fi qitalina kama taqaddama ilayhim fi al-wasa'ati bina lamazdadu ala ma fa'alu bina. Subhanallah. L'imam Ali Zain al-Abidin alayhi salam jure, il dit je jure par Dieu que même si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les avait ordonné, leur avait recommandé de nous tuer, comme il leur avait recommandé de nous accepter comme ses testamentaires, ils n'auraient pas fait pire que ce qu'ils nous ont fait actuellement. Autrement dit, le prophète leur avait recommandé de suivre sa famille comme étant les guides après lui.
avec cet ordre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont assassiné la famille du prophète. L'imam jure que même si le prophète leur avait dit après ma mort, venez tuer mes enfants, venez tuer mes filles, venez tuer mes petits-enfants, ils n'auraient pas fait pire que ce qu'ils nous ont fait. Il dit que je jure que même s'ils avaient l'ordre de nous tuer, ils n'auraient pas pu faire pire que ce qu'ils nous ont fait subir. Ils se sont acharnés sur nous avec la pire des injustices, avec l'atrocité la plus barbare et la plus, disons, فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مِنْ مُصِيبَةٍ مَا أَعْظَمَهَا وَأَوْجَعَهَا وَأَفْجَعَهَا وَأَكَظَّهَا وَأَفَضَّهَا وَأَمَرَّهَا وَأَفْدَحَهَا فَعِنْدَ اللَّهِ نَحْتَسِبُ فِي مَا أَصَابَنَا وَمَا بَلَغَ بِنَا إِنَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. Il dit, nous nous remettons à Dieu face à cette épreuve dont il n'y a pas pire sur la terre, dont il n'y a pas plus atroce, plus amer et plus insupportable dans l'histoire de l'humanité. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.